Il faut être prêt à se poser la question. Quelle est la validité de ma foi? Quelle est sa réalité dans ma vie? Quel est son enracinement? On peut se sentir parfois totalement impuissant devant la pauvreté et se demander si nous en viendrons un jour à bout. Mais en tant que chrétien, le texte d'Ésaïe 58 m'appelle à prendre position contre l'injustice, à soulager les cœurs brisés et à nourrir les affamés. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, nous avons une vraie réflexion sur la manière de vivre sa foi. Si vous ne prenez pas soin des opprimés et des pauvres, vous ne faites pas vraiment la volonté de Dieu. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas fidèle au Dieu de justice. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. Si vous vous consacrez à ceux qui ont faim et que vous répondez aux besoins des opprimés, alors votre lumière brillera dans les ténèbres et votre nuit deviendra comme le jour en plein midi. Voilà ce que Dieu est prêt à faire dans sa générosité sans limite. En dépit de tous les problèmes du monde, il y a des raisons à la fois formidables et inattendues d'espérer. Il y a des personnes extraordinaires qui luttent contre la pauvreté tous les jours et le travail encourageant de tous ceux qui s'engagent pour mettre fin à cette injustice. Il est temps de découvrir ce que cela veut vraiment dire, suivre l'exemple de Jésus, vivre Ésaïe 58. Les gens du village ont très peu à manger. Nous sommes dans une situation désespérée. J'ai 4 enfants et rien à leur donner. Nous allons souvent au lit sans manger. Moi, j'y suis habituée, mais mes petits frères et sœurs, eux, ils pleurent souvent. Les gens qui habitent dans cette région de l'Éthiopie n'ont pas eu de grosses pluies depuis des années. La terre crevassée, le bétail affamé et les maigres récoltes sont autant de signes de leur combat quotidien pour survivre. Globalement, ce village n'a aucun contact avec le monde extérieur. La vie suit son cours autant que possible dans cet endroit retiré et abandonné. Les enfants jouent, les familles vivent, travaillent et luttent côte à côte. Pour mener ce combat contre la misère, Workitu et sa fille de 11 ans se lèvent très tôt et partent en brousse. Elles marchent pendant des heures pour trouver du bois sec qu'elles pourront revendre. C'est leur seule source de revenus et il y en a de moins en moins. Elles doivent donc marcher de plus en plus loin. Un jour, il n'y en aura plus. C'est un travail difficile, épuisant physiquement quand il faut marcher sous un soleil de plomb, surtout quand on sait que Workitu est enceinte de 7 mois. Workitu et Tedje doivent faire 6 km à pied pour aller au marché et vendre le bois qu'elles ont collecté, pour pouvoir n'acheter finalement que de l'eau et du pain. Comme beaucoup d'autres villageois, Workitu n'a pas grand-chose. Mais elle a le soutien de ses voisins. Et c'est l'une des choses formidables qu'elle vit. En se promenant dans son village, on est touché par l'esprit de solidarité mutuelle qui anime tous les villageois.
C'est vraiment quelque chose de très spécial, quelque chose que nous avons perdu chez nous. Tout le monde ici doit faire face à la même situation. Nous devons affronter la sécheresse. Cependant, nous survivons. Mais quand on voit Workitu, on a l'impression qu'elle est la plus à plaindre. Comme vous le voyez, ma cabane est bien trop petite pour loger toute ma famille. Et comment peut-on vivre dans une telle maison avec 5 enfants? Elle est tellement délabrée que mon mari nous a quittés en disant qu'il ne voulait pas mourir dans un tel taudis. L'une des choses qui me brise le cœur, c'est de voir ces gens dans des zones rurales être enterrés avant même de commencer à vivre. D'une certaine manière, c'est la véritable description de la vie rurale en Éthiopie. Beaucoup de ces personnes, tout à fait capables, meurent avant même d'avoir pu exprimer leur potentiel. Si Jésus était là aujourd'hui, je lui demanderais une bonne santé. Ensuite, je tomberai à ses pieds pour le remercier. Il y a une véritable volonté, tant au niveau du gouvernement et de l'Église, que dans le cœur et l'esprit des habitants, pour changer la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est maintenant le moment de bouger. L'heure est venue. C'est comme si nous avions tous un même cœur, un même esprit, une même détermination pour un vrai changement de fond. L'Église doit être le fer de lance de ce changement. Pour de nombreuses personnes comme Workitu, cette lutte constante pour la survie les conduit à prendre le chemin de la ville. C'est la décision de la dernière chance. Un aller simple vers un bidonville qui les expose à davantage de risques encore. Je suis venue à Matar à cause des difficultés que j'avais pour nourrir mes enfants. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé que j'avais encore plus de problèmes qu'avant, quand j'étais à Muranga. Originaire d'une zone rurale du Kenya, Alice et son mari sont venus à la capitale, Nairobi, avec l'espoir de trouver un travail et de meilleures conditions de vie. Mais ce qu'elle a trouvé était bien loin de ses attentes. Le quartier de la vallée de Matar compte entre 700 et 800 000 habitants. Il y a beaucoup d'insécurité et surtout une pauvreté criante. Nous avons des problèmes de drogue, d'alcool et surtout un profond désespoir ambiant. C'est un endroit où la vie peut aller très vite et être très courte. C'est cet endroit qu'on appelle Matar. Ici, la plupart des gens sont alcooliques parce qu'ils vivent dans le désespoir. Il faut se droguer pour oublier ses problèmes. Il faut boire. On oublie ses problèmes, on va se coucher. Demain est un autre jour. C'est la vie, c'est notre quotidien.
Cet alcool, c'est celui qu'on vend dans notre village. Est-ce que les gens l'apprécient ? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils en boivent ? Ils en boivent à cause de leur désespoir, du manque d'argent. Parce que c'est pas cher. Merci, Jim. C'est un endroit très peu sûr. Vous pouvez être agressé et tué à n'importe quel moment. Les voleurs peuvent vous détrousser. Ou des gangs, comme les Mungiki, qui vous découpent à la machette. Parfois, nous avons tellement peur que nous ne pouvons pas trouver le sommeil. Ces cabanes sont collées les unes aux autres. Il y fait chaud. Elles sont obscures et très petites. Malheureusement, la plupart du temps, Alice ne peut pas donner de petit déjeuner à ses enfants. Ils doivent se contenter d'une tasse de thé noir avec du sucre. Je n'aime pas du tout Mataré. Les égouts sont juste devant ma porte. J'ai toujours peur que mes enfants attrapent une maladie grave. Parfois, le caniveau se remplit et on trouve même des déjections humaines devant la porte. Ça sent tellement mauvais dans la maison qu'on ne peut même pas manger. Alice vend des fruits et des légumes. Elle trouve sa marchandise sur le tas de déchets d'un marché du quartier. Elle ramène ses produits, les lave et les vend sur le bord du chemin. Elle nourrit sa famille avec ce qu'elle ne peut pas vendre. Vous ne pouvez pas maintenir un minimum de dignité quand il n'y a pas de toilette. Ou même pas un endroit où vous pouvez vous laver ou prendre un bain. Attention, ça va ? Hey Joël ! Oui ? C'est un peu dur ici. Oui, je suis désolé. Désolé. Traverser Matar est une expérience extrêmement pénible. Ici, je ressens vraiment l'urgence de la situation. Le peuple de Dieu, l'Église, ne peut tout simplement pas rester inactif quand des gens vivent dans de telles conditions. Voici l'endroit où Jésus a donné ce message incroyable et puissant du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, dans lequel il aborde le thème du royaume des cieux. Il dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans toute sa gloire, je veux dire, les cieux vont s'ouvrir, et on nous dit que toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui. Là, le roi va séparer les uns d'avec les autres. Et quand tout ce tri sera fait, le roi dira, « Voilà de quoi il s'agit. C'est ce dont les prophètes ont parlé. C'est la façon dont j'ai vécu ma vie. Les Écritures en parlent abondamment avec près de 2000 versets qui y sont consacrés. Cela ne devrait pas vous surprendre. Il s'agit des pauvres, de l'importance particulière qu'ils ont à mes yeux. Et il les aura séparés, non pas sur la base de ce que tu penses, ou de ce pourquoi tu as prié, ou même de ce qui t'a préoccupé, mais de ce que tu auras réellement fait. » Ce passage si puissant a été enseigné à cet endroit, dans ce très beau paysage. Son message peut se résumer ainsi. Les pauvres sont vraiment très importants pour moi. Et ceux d'entre nous qui sont disciples du Christ, nous n'avons tout simplement pas le choix quand il s'agit des pauvres. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Et voilà le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime tous les peuples de la même manière. Et quand je vois quelqu'un qui souffre ou qui est opprimé, je me sens mal si je ne fais rien. Quand nous voyons nos amis en Occident, des riches dans des pays riches, eux aussi ont une part de responsabilité. La plupart des Occidentaux peuvent être considérés comme riches, et pourtant de nombreuses personnes ont du mal à gérer leur budget. Kirsty est à la fois enseignante et couturière en Grande-Bretagne.
Elle nous a confié que les questions d'estime de soi et de matérialisme ont souvent été difficiles à maîtriser pour elle, jusqu'au point où elle s'est retrouvée en situation de surendettement. J'ai contracté beaucoup de dettes ces dernières années. J'ai toujours eu du mal à maîtriser mon budget. Je me souviens du jour où j'ai touché mon premier salaire à l'âge de 16 ans. J'ai tout claqué dès le premier jour. Et je me souviens de ce sentiment qui vous prend quand vous perdez tout contrôle et que vous vous réveillez au milieu de la nuit ou tôt le matin et que vous vous dites « Comment vais-je m'en sortir ?» Mais la plus grosse partie de mes dépenses était consacrée à changer ou à améliorer mon image. J'avais une mauvaise image de moi. Je ne pensais qu'à mon apparence. C'était là où je plaçais vraiment tout mon espoir et mon futur ne reposait que sur ces choses-là. Kirsty a pris la décision de changer de vie. Elle a commencé par découper en morceaux ses cartes de crédit un dimanche devant son église. Elle s'est désormais ouverte à une autre réalité. En réduisant quelques-unes de mes dépenses, j'ai pu mettre de l'argent de côté pour aider les autres. L'église de Kirsty est entrée en relation avec l'œuvre du pasteur Joël et son église dans la vallée de Matar. Ce jumelage s'est révélé fructueux pour les deux parties. Pour l'église en Angleterre, ce lien a engendré un mouvement de prière et une possibilité de s'engager. Pour l'église de Matar, ce soutien reçu est une grande source d'encouragement. L'église est une réelle source d'espoir et d'inspiration pour beaucoup de ses membres, mais aussi plus largement pour son quartier. Nous rencontrons des enfants mal nourris, auxquels nous proposons des repas équilibrés, préparés dans la cuisine de l'église. Nous apprenons aussi aux parents comment nourrir leurs enfants. Nous voulons que les jeunes aient des activités, par exemple, certains peuvent apprendre la guitare ou le piano. Il y a aussi un groupe de danse et plusieurs groupes d'école du dimanche. Nous proposons aussi du football. Et l'équipe joue en championnat national. Ce genre d'activité leur permet de bien canaliser leur énergie. Nous avons aussi des formations professionnelles pour les jeunes et aussi pour les femmes. Ils peuvent ainsi acquérir des compétences simples pour améliorer leur niveau de vie. J'ai vu des gens qui se battaient, qui n'avaient pas d'argent et qui luttaient au jour le jour pour joindre les deux bouts. Mais ils avaient de l'espoir et ils plaçaient leur confiance en Dieu. Et moi, pendant tout ce temps-là, je mettais ma confiance dans les choses matérielles. Leur foi est bien plus forte et pourtant, ils n'avaient rien. Et moi, de mon côté, j'avais tout ce que je voulais et je ne plaçais pas ma confiance là où elle aurait dû être. Pour moi, la bénédiction reçue s'est matérialisée dans le fait que ma relation avec Dieu est désormais plus profonde et devient de plus en plus solide. Dans les profondeurs de la jungle de l'Inde du Sud, la tribu des Mudawa habite dans les arbres pour ne pas être piétinée par les éléphants. Même si leur cadre de vie semble tout à fait idyllique, sans eau et avec peu de nourriture, sans soins médicaux, avec les serpents venimeux et les morsures d'araignées, cette tribu est au seuil de l'extinction. Sans aucune éducation ni argent, de nombreuses personnes qui migrent vers les villes à partir de ces endroits retirés sont contraints d'emprunter de l'argent pour survivre. Ils se retrouvent souvent casseurs de cailloux, fabricants de briques, ou bien traités comme des esclaves dans des ateliers clandestins, pris au piège par leur endettement. Je suis Sanjeev et avec ma femme, Shivama, nous avons 5 enfants. Nous venons d'Osur, dans le Tamil Nadu. L'homme qui se rend à la carrière emprunte une forte somme auprès du propriétaire de la carrière et il reçoit un salaire de misère, 30 à 40 centimes par jour.
C'est donc quasiment impossible pour lui de rembourser son emprunt. Il ne se rend pas compte qu'il s'est fait piéger. Est-ce qu'un jour vous pourrez vivre sans être endetté? Je ne serai jamais libéré de ma dette. Jamais. L'esclavage par l'endettement est l'une des conséquences les plus scandaleuses de la pauvreté. Il touche des gens comme Sanjeev et Shivama avec leur famille. Le montant total de leur dette équivaut seulement à environ 500 euros, mais ils ne pourront jamais la rembourser. Elle sera transmise à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Il n'y a simplement pas moyen d'y échapper. Je ne suis pas heureuse. Je ne pense qu'au remboursement. Comment puis-je être heureuse? Je n'ai aucune joie. Ma femme doit travailler à la carrière et le propriétaire n'épargne même pas nos enfants. Voilà la misère dans laquelle nous sommes. Ma plus grande tristesse, c'est de voir les autres enfants aller à l'école. Et moi, je n'ai même pas les moyens d'éduquer mes propres enfants correctement. Et puis, je ne peux même pas leur donner suffisamment à manger. Tout est lié à la pauvreté. Quand je vois les autres enfants, ils bouillonnent de vie. Et mes enfants, eux, ils sont affamés. Ça me brise réellement le cœur. Si vous pouviez demander n'importe quoi à Dieu, que demanderiez-vous? Des bonbons. Ça éclate. Un vélo. Je veux que tout le monde soit heureux. J'ai des rêves, mais ils ne se réaliseront jamais. Alors, autant ne pas en avoir. C'est quelque chose que nous avons constaté partout dans le monde. Quand les enfants atteignent l'âge de 12 ans, leur énergie et leur innocence disparaissent. Chaque père a des rêves pour ses propres enfants. Mais malheureusement, ce ne sont que des rêves, sans rapport avec la réalité. C'est le cri de désespoir des casseurs de cailloux. Quand je dis que je suis un disciple de Christ et que je vois ce genre de misère devant mes yeux, je ne peux pas rester indifférent. Dans la Bible, Jésus raconte la parabole du bon samaritain quand un homme blessé se trouvait au bord de la route. Je vois ces casseurs de cailloux comme cet homme, étendu à terre, qui meurt sans aucun secours. Et en tant que chrétien, j'aimerais être un bon samaritain pour eux, et l'Église doit être un bon samaritain pour eux.
Les églises locales font ce qu'elles peuvent pour soulager la condition des ouvriers de la carrière et de leur famille. Samuel et son équipe ont mis en place un centre d'accueil pour les enfants où on prend soin de leurs besoins les plus élémentaires, leur santé, leur éducation et leur nutrition. Pour de nombreux ouvriers piégés par l'esclavage de l'endettement, ce lieu leur apporte un énorme espoir. Je suis un ouvrier de la carrière et je dois rembourser ma dette. J'ai les mêmes problèmes que les autres ouvriers qui sont ici. Mais j'ai un espoir. Ma fille ne vivra pas cet enfer. Cette dette et cette misère prendront fin avec moi. Mon rêve est de pouvoir faire des études afin de devenir ingénieur informaticien. J'aime beaucoup apprendre au centre d'accueil. J'aime beaucoup danser et j'aime jouer. J'aime aussi mes enseignants et mes amis. Ma femme a aussi reçu une formation à la couture dans l'église et elle fait des habits. Nous aimons beaucoup notre fille. Elle se débrouille très bien à l'école. Elle a d'excellentes notes et nous sommes très fiers d'elle. Je ne sais pas ce qu'elle fera lorsqu'elle sera plus grande, mais je suis sûr que Dieu a un plan pour elle et il lui donnera un bel avenir. Je suis sûr qu'elle, au moins, elle ne cassera pas des pierres. Je connais une famille, Gopi, Vijay et leur père Sanjeev. Ils travaillent avec mon père. Sanjeev est très pauvre et ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, donc il travaille dans la carrière aussi. Je suis vraiment triste de voir d'autres enfants casser les cailloux. Parfois je pleure en les voyant. Je suis tellement bénie de ne pas devoir y travailler. J'ai la possibilité de bien étudier et d'avoir un avenir. Grâce au soutien qu'elle reçoit de l'église de son village, Sundaria pourra éviter l'esclavage du travail forcé. Mais ce soutien la protégera aussi d'une autre terrible menace, le commerce du sexe. C'est l'un des plus grands maux de notre monde actuel. Une industrie qui rapporte globalement plus de 32 milliards de dollars par an. Il détruit la vie des plus vulnérables de tous, les enfants pauvres. Les familles de ces jeunes filles sont extrêmement pauvres. Cela facilite le travail des recruteurs, car ils savent qu'il y a des besoins, que les familles sont vraiment nécessiteuses. Ils leur disent tout d'abord qu'ils vont trouver un mari pour leur fille, et qu'ensuite, ils vont lui trouver un travail, elle pourra donc mieux les aider. Quelque part, les familles savent que ce scénario ne se produira pas, que leur fille n'aura pas un vrai travail, mais parce qu'ils vont recevoir de l'argent et qu'ensuite leur fille pourra les soutenir, ils lui permettent de partir. Nous avons rencontré un ancien officier de la marine, engagé ensuite dans les brigades antidrogue de la police de Los Angeles, qui a abandonné une retraite confortable en Californie pour venir se joindre au combat contre le commerce du sexe à Calcutta. Je mets en place une équipe qui sort chaque jour dans les quartiers chauds à la recherche des victimes du trafic sexuel. Quand vous allez dans certains de ces endroits, vous ressentez vraiment le poids des ténèbres. Vous savez que vous pénétrez le monde du mal. Les enquêteurs et les collaborateurs de notre mission sont parmi les gens les plus courageux que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Ils vont dans certains endroits où nous n'allons pas.
Ils vont dans des lieux sans autre protection que celle de Dieu lui-même. Ils ne le font pas pour l'argent, ni pour la gloire. Ils ne peuvent pas dire au monde ce qu'ils font et encore moins aux membres de leur entourage, car cela pourrait mettre leur vie en danger. Ces trafiquants sont prêts à tuer, ils sont prêts à battre quelqu'un jusqu'à la mort. Si on n'est pas prêt à s'opposer à ce genre de pratiques maléfiques, ça va tout simplement continuer. Et je crois qu'il est grand temps pour l'Église dans sa globalité d'en prendre conscience et de donner à ses filles un réel espoir pour qu'elles ne soient pas violées un jour de plus. J'ai été dans l'armée, puis dans la police pendant 22 ans. Je me suis battu. J'ai été pris dans des fusillades, engagé dans des combats très durs et des situations parfois très tendues. Mais je peux vous dire que c'est le travail le plus difficile que j'ai jamais fait, le plus dur. Le danger est très présent. Le stress est là. Les problèmes sont énormes. Mais voilà la clé. Je ressens plus que jamais le fait que le royaume de Dieu avance, bien plus que dans mes activités passées. Il y a une chose que je peux dire aux gens. Trouvez les choses les plus difficiles que Dieu vous appelle à faire, puis faites-les. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant dans la vie que de voir Dieu vous équiper pour une mission et de savoir que vous êtes utilisé dans ce but. Je ne sais pas comment convaincre les gens. Je ne sais pas s'ils doivent quitter leur maison. Mais je sais qu'ils trouveront la joie et la paix qui dépassent tout entendement. Je n'échangerai ce travail pour rien au monde, rien. Cette décision a été la meilleure de toute ma vie. Jésus est très populaire quand il arrive dans sa ville natale de Nazareth. Et les gens sont tellement heureux de le voir ce jour-là qu'ils lui demandent « Jésus, lis-nous l'Écriture !» et il lui donne le rouleau d'Ésaïe. Jésus aurait pu lire n'importe quel passage de ce livre, mais il choisit de lire le chapitre 61, les versets 1 et 2. Et voilà ce qu'il lit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Puis il poursuit, « Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie devant vous. » Et en disant cela, il a fait son choix. Il a choisi de s'identifier avec les prisonniers, avec les pauvres, avec les aveugles et avec les opprimés. C'est un choix important que Jésus a fait ce jour-là, sur ce chemin qu'il a mené, en fin de compte, jusqu'à la croix. Il y a bien des manières de s'engager aujourd'hui pour lutter contre les problèmes de pauvreté et d'injustice. Nous sommes ici dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, dans un café qui promeut une nouvelle manière de gérer ses affaires. Notre manière de lutter contre la pauvreté ici, c'est d'avoir un café équitable. Nous croyons fermement au principe de ce commerce. Nous croyons que nous devons mettre fin à l'esclavage des enfants, que nous devons faire des choix qui contribuent à préserver l'environnement dans tous les produits que nous vendons. Une autre manière d'aider est de redistribuer une partie de nos bénéfices mensuels. Pour l'instant, en tant qu'entreprise naissante, nous ne pouvons pas donner autant que nous aimerions. En tout cas, ce que nous pouvons faire, c'est être un lieu de rencontre pour de nombreuses organisations qui tentent de lutter à une échelle mondiale. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire, nous les croyants, pour lutter contre la pauvreté, c'est d'abord de nous éduquer nous-mêmes. Nous prenons alors conscience que notre style de vie ici, dans la culture occidentale, est très différent de celui du reste du monde. Avec des entrepreneurs comme Bob Mann qui s'engagent pleinement dans la lutte contre l'injustice, qui sont prêts à renoncer à une partie de leurs bénéfices pour se mettre à la disposition des pauvres, nous voyons un changement qui se produit. Il y a quelques années encore, on avançait le chiffre de 40 000 enfants qui mouraient chaque jour à cause de la faim et de maladies qui auraient pu être évitées. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 21 000 enfants par jour. Nous avons diminué de moitié le nombre d'enfants qui meurent de maladies avant l'âge de 5 ans. Et l'une des raisons qui explique ce progrès vient du fait que ces enfants ont désormais accès à l'eau potable. Savez-vous que depuis 1990, 600 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable?
La malaria est un autre fléau qui touche les enfants dans le monde. En l'espace de 6 ans, de 2002 à 2008, 22 pays ont réduit de moitié le nombre de victimes de cette maladie par des interventions très simples. La distribution de moustiquaires traités aux insecticides, l'amélioration des traitements médicaux et la pulvérisation d'insecticides, des choses simples qui peuvent être faites et qui sont faites aujourd'hui. Nous faisons des progrès remarquables, mais retenons une seule chose de tout cela. Ce qui est vraiment important, c'est qu'en l'espace d'une seule génération, nous avons réduit de moitié le pourcentage de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. La question suivante est de savoir combien de temps faudra-t-il pour arriver à zéro? Des économistes reconnus ont dit qu'il faudrait pour cela dépenser 73 milliards de dollars par an sur une période de 10 ans pour atteindre un tel objectif. Cela peut vous sembler énorme, mais quand vous le comparez aux 2,5 trillions de dollars que Dieu a donné aux chrétiens américains, sans parler des autres chrétiens du monde entier, cette somme apparaît comme dérisoire. Et là, je ne parle que des personnes qui vont à l'église régulièrement et qui disent que leur foi a une grande importance pour eux. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin et il nous donne tout ce qu'il faut pour éradiquer l'extrême pauvreté. C'est formidable de penser que nos ressources peuvent avoir un tel impact sur les pauvres. Mais l'argent n'est pas la seule réponse. L'Église a aussi une grande influence que nous pouvons utiliser pour contribuer au changement. L'Église a toujours été au meilleur d'elle-même quand elle a pris position pour les opprimés. Et je crois que la voix de Dieu, l'esprit d'Ésaïe 58, nous rappelle constamment que Dieu ne va jamais mettre d'obstacle entre nous et sa préoccupation pour les pauvres. Donc, abandonnez vos sacrifices, abandonnez cette sorte de jeûne qui opprime les pauvres. Laissez tomber vos débats théologiques qui mettent des obstacles entre ma passion pour les pauvres et leurs besoins. Et si nécessaire, réexaminez vos choix politiques. Au cœur du quartier Queens, à New York, se trouve l'église Le Tabernacle de Christ. C'est une église très engagée parmi les pauvres, que ce soit près d'elle comme au loin. En tant qu'église, nous avons tous décidé mercredi de sauter au moins un repas, que ce soit celui du matin, du midi ou du soir, pour prier pour ceux qui n'ont pas de repas, ceux qui sont moins fortunés que nous. Quand nous avons demandé à nos adolescents de jeûner et de prier pour les pauvres, c'était vraiment comme si les pauvres jeûnaient pour les pauvres. Ils sont prêts à tout abandonner parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les appelle à le faire. J'aimerais tellement que la faim dans le monde disparaisse grâce à des jeunes vivant dans un quartier pauvre et qui ont décidé de jeûner pour des gens qui étaient encore plus pauvres qu'eux. Que diriez-vous à des églises qui ne font rien pour les pauvres? Waouh! Oui, il faut y aller. C'est pour ça qu'on est là. Ce que nous comprenons, c'est que l'action concrète est aussi importante que la prière et le jeûne. Si vous vous mettez au niveau de quelqu'un et que vous êtes prêt à répondre à ses besoins, il va vous demander « Mais pourquoi tu es prêt à faire cela pour moi ?» T'es vraiment passionné par ce projet? Tellement passionné, tout simplement parce que c'est notre raison d'être en tant qu'église. Juste venir aux réunions n'est pas suffisant, il faut vraiment aller sur le terrain et c'est pourquoi au début de la prophétie d'Ésaïe, le message est clair « J'en ai assez de vos réunions ». Certains d'entre vous implorent le Seigneur depuis si longtemps et vous vous demandez pourquoi il ne vous répond pas. C'est qu'il veut que vous sortiez de votre zone de confort, que vous mettiez vos doutes, vos blessures et vos douleurs de côté et que vous vous battiez pour quelqu'un d'autre, que vous priez pour lui. Parce qu'il l'a promis, si vous priez pour eux, alors il vous rencontrera. Si vous allez vers les autres pour faire face à leurs problèmes, alors vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre propre vie. Nous devons être différents. Nous devons penser différemment, ressentir, voir les choses différemment. Ceux d'entre nous qui suivons le Christ, nous devons agir différemment. Nous connaissons la puissance de notre foi et pouvons déplacer des montagnes. En étant audacieux et agissant selon les principes que Dieu nous demande de mettre en œuvre, nous verrons les choses changer. Quand nous prendrons conscience que l'extrême pauvreté peut être éradiquée de notre planète, nous serons tout simplement indignés. Je ne sais pas comment convaincre les gens de sortir de leur zone de confort dans laquelle j'étais pendant des années. Mais je sais une chose, c'est que je ne reviendrai sur ma décision pour rien au monde. Il est temps aujourd'hui de mettre un terme à l'extrême pauvreté. Il est temps de dire « il faut que cela cesse ». Engagez-vous,
Utilisez votre voix, partagez vos biens, rejoignez le mouvement des chrétiens qui, dans le monde entier, découvrent comment vivre Ésaïe 58. Dieu va nous utiliser pour changer le cours de l'histoire.